projet Sania Sano est un projet d'hygiène et d'assainissement en milieu rural. Les bénéficiaires du projet sont les ménages qui accueillent les personnes déplacées internes. Ce sont eux que nous avons ciblés pour mener nos activités en matière d'eau, d'hygiène et d'assainissement. Pour construire ces latrines, on identifie les besoins au niveau des ménages. On forme des maçons locaux qu'on équipe avec du matériel de réalisation de ces latrines. Les maçons ont été choisis par leur communauté. C'est des personnes en qui ils ont une confiance, des personnes sociables selon eux et habilitées à les accompagner, en tout cas dans la construction des latrines. Ton demande ça va être sans plaisir. Ton yé l'amte sans plaisir nana yire. Malé yé tout m'da pas toyé. Par mes soins wakate, bon oui que ton de cabinou a hamaka toto. Oui que ton de ral banga hamaka toto. Ton ma en cousin ma ral. Oui que ton de sans quoi ma hongé de. Nain qui aime yé toto ha. Oui que ton de. Le bon winner ton là à quoi ma bah na man pierre de nous na yeto sans qui vous essayez on dit il vit ton pied comme nous tu as il amne on ça comme un qui est de menga comme une nombre tout bon les gens sont à la yon de wisho les courants de neda ne y l'aime de wang ben soit au remède. Je suis venu à la maison. Nanandi kabina ora pawa wikenga ra nanga kotondo ana hanjiki wo kwamba namba zimba hal kanga pusi mandi tonto ron lobra wo kasumbo tonde dani nyung pakre puja ban namba ra nanga kotondo uso la rahma kabina wa ngoto yol se tonzo kapan jalembe en changeti nimba na wisho. Quand on a un problème, di koma ani safanda aramank boko nori la dignité humaine est un aspect très important. Faire en sorte que des femmes et des enfants puissent avoir des ouvrages qui leur permettent de ne pas aller déféquer dans la nature, qui leur permettent d'avoir leur cadre de vie sain, en tout cas ça me réjouit énormément.